Chinese Business Club est très heureux d'accueillir aujourd'hui Thibaut Hugues Delarose, président de Back Market. Donc Back Market, c'est une société qu'on a créée à Troyes il y a 8 ans maintenant. Aujourd'hui, chaque année, en fait, il y a 36 milliards de tonnes de CO2 qui sont émises sur cette planète. Et à l'intérieur de ces 36 milliards de tonnes, il y en a 2 milliards qui sont liés à la tech. Morgane Bertrand de l'Obs. Je voulais savoir, est-ce que le marché du reconditionné peut, selon vous, entraîner une baisse des ventes de produits neufs, ce qui, in fine, aurait un réel impact écologique? Nous, notre but, c'est quand même de prendre un maximum de parts de marché au neuf. C'est pas de créer un effet d'aubaine. Et donc, on essaye de traquer avec les outils qu'on a l'évolution de l'économie circulaire à travers les produits globaux, donc neufs, reconditionnés d'occasion. Et on voit que la part de marché de occasion plus reconditionnée évolue significativement dans le mix. Dernière, Claude Médori, président de Fisheye. Est-ce que vous avez envisagé de travailler sur la pour récupérer les terres rares, les matériaux rares qu'il y a dans les smartphones? Tout à fait. Alors, pas que dans les smartphones d'ailleurs. En gros, on a déjà une plateforme en ligne. Vous pouvez revendre les produits que vous utilisez plus sur Back Market en quelques clics. Et donc cette plateforme, on l'appelle le buyback. Vous cliquez sur revendre sur Back Market et vous dites voilà, j'ai ce produit en tel état, il marche pas, et on va vous proposer le meilleur prix de reprise pour ce produit.